بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا الكريم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله تكونوا في أحسن الأحوال وفي صحة جيدة، وانتم تشوفوا في هذا الفيديو فيديو جديدة. إخواني أخواتي، مرحبا بكم على قناة حورية تيب. ما تنساوش برك اللي دخلوا معنا جدد يشتركوا وفعلوا الجرس باش يلحقكم كل جديد، وشكرا جزيلا لكل متتبعي القناة. في هذه الفيديو إخواني أخواتي راح نقدم لكم الفيديو كامل للخبر السار للحراقة للمهاجرين غير شرعيين، الكلمة الكاملة اللي قالها وزير الداخلية البارحة أمام مجلس النواب، اللي تخص بتسوية وضعية المهاجرين اللي يحترموا قوانين فرنسا ويعودوا خدامين. اسمعوا مليح واش قال خالتي. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, j'ai écouté vos propos introductifs qui parlaient des travailleurs sans papier. Vous utilisiez même quelques termes marxistes, donc je me dis qu'il faut que je profite de ce moment pour vous parler de ces travailleurs des entreprises Chronopost, DPD, RSI, qui sont depuis un an en grève pour obtenir leur régularisation. Il y a un piquet de grève chez moi à Gennevilliers, dans ma circonscription. Ça fait un an que nous essayons un dépôt collectif en préfecture de leur dossier, que les services nous trimballent, et que ça fait un an que ces hommes, qui pour beaucoup ont traversé la Méditerranée durement, qui travaillent, qui ont travaillé pendant le Covid, qui sont exploités par ces sociétés du bâtiment, eh bien attendent que quelque part l'État, par le biais de la préfecture, dise eh bien qu'il veut les protéger. Et c'est ça qui est attendu comme réponse. Donc comme on a beaucoup de mal à obtenir soit des rendez-vous, soit des réponses fermes, je profite de votre audition pour pouvoir vous reformuler cette question et vous demander si dans les préfectures concernées, vous pouvez aider à ce que nous soyons pas simplement reçus, mais aussi que des réponses plus pérennes et qui permettent leur régularisation soient permises. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, la semaine dernière, au village des Alternatives, un festival citoyen voulait proposer des solutions face aux enjeux sociaux et environnementaux. Il y avait un atelier de désobéissance civile. Chacun ici a le droit de ne pas être d'accord avec ça. La question, en revanche, c'est que quand un préfet propose de leur couper les subventions au nom du non-respect du contrat d'engagement républicain, eh bien, je crois que c'est une atteinte extrêmement grave aux libertés fondamentales d'expression et d'association. Nous avions pointé déjà ces dangers au moment de la loi séparatisme, au moment aussi des prorogations d'état d'urgence, qui déjà s'attaquaient à des militants et créaient une confusion entre terroristes et citoyens de confession musulmane. Donc pour aller vite, est-ce que vous allez permettre que cette association continue à avoir ses subventions? Je vous remercie. Merci, monsieur le ministre, pour répondre à cette première série de questions, étant précisé qu'il en restera ensuite 27. Pardon. Tout augmente, monsieur le président, et y compris les questions. Merci. C'est l'inflation. Alors, beaucoup de questions, je vais essayer d'y répondre, peut-être, si vous me le permettez, de la fin au début. Moi, je suis prêt à vous recevoir, madame la députée, avec le collectif, moi-même, si vous le souhaitez, avec grand plaisir, et monsieur le préfet. Je me suis penché sur cette question, puisque monsieur le préfet m'a fait remonter la demande. J'ai cru comprendre que la demande de régularisation concernait le collectif. Et moi, il ne peut pas y avoir de régularisation collective, il peut y avoir des régularisations individuelles, sur lesquelles moi, je suis prêt à aller. La contrepartie de la régulation individuelle, c'est que les gens ne doivent pas être en contraire avec ce qu'on essaie de faire dans notre pays sur justement les régularisations. Je prends un exemple, pourquoi on ne fait pas du collectif? Je ne peux pas m'engager devant vous faire 100% de collectif des travailleurs sans papier de Chronopost. Imaginons que l'un d'entre eux ait un casier judiciaire, je ne régulariserai pas, je vous le dis, cette personne. En revanche, vous avez tout à fait raison, comme j'ai dit à mon propos introductif. Non mais, bien sûr, bah oui, c'est exception-là, ça devrait aller, donc ça devrait aller. C'est pour ça que je vous dis que si on pose la question des employeurs qui prennent des travailleurs sans papier, qui sont les seuls à pouvoir demander la régularisation. Encore une fois, je pense que c'est un rapport de force qui n'est pas positif pour le salarié, vous le savez bien. Si on change ça dans la loi, ce sera une bonne chose. Bon. Et la deuxième des choses, effectivement, si les personnes travaillent, souhaitent s'intégrer à la République, moi, ma ligne à moi que je souhaite qu'on porte dans le texte immigration, c'est que nous soyons durs avec les personnes qui soient étrangers délinquants sur le sol national
et que nous puissions régulariser et aider ceux qui veulent travailler, respecter les lois de la République. Je pense que c'est une ligne toute républicaine. Toute républicaine. Et il y a plein de gens qui méritent sans doute d'être régularisations et qui ne les ont pas aujourd'hui. Et il y a plein de gens qui les ont alors qu'ils ne devraient pas les avoir. Depuis que je suis ministre de l'Intérieur, on a refusé 70 000 titres de séjour pour des personnes qui les avaient jadis automatiquement parce que les agents de préfecture ne regardaient pas les casiers judiciaires avant de renouveler les titres de séjour. Ça, c'est modifié. Et moi, j'assume cette fermeté sur ce point. En revanche, vous avez parfaitement raison, il y a des gens qui travaillent depuis des années sur le territoire de la République, qui parlent français, qui fondent des familles, qui parfois payent des cotisations et des impôts, qui ne profitent pas de cette solidarité nationale auquel ils ont le droit, parce que l'employeur ne joue pas, si j'ose dire, le jeu légal. Donc moi, je recevrai, madame la députée, et on regardera les choses, et on aura l'occasion d'en reparler.